Bonjour et bienvenue à cet atelier public alphanumérique intitulé Protéger ses données personnelles avec Google Chrome. Lorsque nous utilisons un navigateur web, ce dernier enregistre notre activité en ligne. Savoir comment accéder aux paramètres de confidentialité et de sécurité peut aider à comprendre l'usage qui est fait de nos données personnelles. Au cours de cet atelier, nous répondrons donc aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle Quelles informations personnelles sont collectées par les navigateurs web Comment empêcher l'enregistrement des informations personnelles par un navigateur web Nous utiliserons le navigateur Google Chrome à titre d'exemple car il est le plus utilisé. Notez que nous n'aborderons pas le sujet de la protection des données sur les réseaux sociaux ou celle des appareils électroniques. Débutons tout de suite cet atelier en explorant la première question. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, une donnée personnelle désigne toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Un nom et un prénom une date de naissance, une adresse courrielle, un identifiant de connexion ou encore une photo sont des données personnelles. Il est donc important de connaître les différents moyens mis à la disposition des internautes afin de les aider à en conserver la maîtrise. Mais qui collecte les données personnelles? Ces informations sont collectées et utilisées par les entreprises qui mettent à disposition des appareils, des outils et des services numériques. Parmi eux, on compte les systèmes d'exploitation comme Windows, Linux ou encore Mac, Apple, les applications, les logiciels et les plateformes, ainsi que les sites Web. La collecte de données permet aux entreprises de se développer en ayant une meilleure connaissance des consommateurs. Elle permet également d'en faire des cibles publicitaires auxquelles elles pourront proposer des offres diverses et variées. Mais comment les entreprises collectent-elles les données personnelles? Les entreprises utilisent différents moyens. En voici quelques-uns. Lorsque vous créez un compte pour accéder à une plateforme comme Facebook, par exemple, vous entrez des informations personnelles pour créer un prof... votre profil. Vous souscrivez également à des conditions d'utilisation. Ce contrat indique que vous cédez une partie de vos droits sur vos informations personnelles ainsi que sur les contenus que vous publiez. En ce qui concerne les sites Web, on demande souvent aux visiteurs d'accepter les cookies ou les témoins de navigation. Ces petits fichiers texte placés sur les engins de navigation permettent de sauvegarder des données sur les comportements de l'internaute. Voilà comment certaines entreprises colligent des informations personnelles au sujet des utilisateurs. Il est important de retenir que ces informations peuvent être collectées uniquement si l'utilisateur a donné un consentement explicite en cliquant sur un bouton précis ou sur une phrase indiquant qu'il accepte les termes d'utilisation. Les organisations peuvent également collecter des informations lorsqu'elles sont rendues publiques par les personnes concernées. C'est aussi le cas lorsqu'un utilisateur de Facebook publie une photo qui sera affichée en mode public dans son fil d'actualité et sur son profil. Parmi les données personnelles les plus recherchées, on retrouve les informations sociodémographiques et comportementales, les centres d'intérêt et les données de navigation. Ces informations permettent de mieux connaître les aspirations et désirs des utilisateurs. Intéressons-nous maintenant aux données personnelles collectées par les navigateurs web. Les navigateurs web comme Mozilla, Firefox, euh, Google Chrome, Safari, Explorer, etc. sont des logiciels qui permettent d'accéder à Internet. Ils possèdent tous des moteurs de recherche qui permettent de trouver des contenus indexés sur le web. Google Chrome est le navigateur le plus utilisé. En 2015, il comptait près de 1 milliard d'utilisateurs actifs. Voilà pourquoi nous l'avons choisi à titre d'exemple. Les navigateurs collectent des données afin d'offrir à l'internaute une expérience de navigation agréable en l'aidant à trouver facilement ce qu'il recherche. Ils peuvent par exemple enregistrer les sujets de recherche, les sites Web visités et les mots de passe. Mais leur objectif est de réutiliser ou de revendre ces informations à des fins publicitaires. L'entreprise contrôle ainsi subtilement le contenu avec lequel les utilisateurs interagissent en mettant en avant certains contenus plutôt que d'autres. Pour autant, la collecte de données personnelles par les navigateurs web a certains avantages. Par exemple, en enregistrant la géolocalisation de l'internaute, le navigateur Web est capable de lui proposer des résultats de recherche cohérents. Si ce dernier euh, se trouve à Montréal et cherche un restaurant asiatique, par exemple, il ne lui proposera pas de restaurant situé à Québec, la ville. Il va lui proposer des, des restaurants qui vont être à proximité de l'utilisateur. Un autre avantage de la collecte est le pré-remplissage de formulaires grâce à la mémorisation d'informations. Par exemple, un internaute saisit son adresse postale lors de la commande d'un livre sur leslibraires.ca. Le navigateur demande alors à l'internaute s'il veut enregistrer ces informations pour faciliter ses achats futurs lors de sa prochaine visite. L'internaute doit cependant rester prudent. Est conscient que le, le contenu qui lui sera proposé lors de sa navigation sera orienté. Il pourrait par exemple le pousser à l'achat ou confirmer des biais de perception et amoindrir son sens critique. L'enregistrement des informations personnelles peut favoriser les risques de fraude si une personne accepte qu'une information comme un numéro de carte bancaire soit préenregistrée, un individu connecté à un de ses comptes personnels ou ayant accès à un de ses appareils numériques pourrait l'utiliser à, à des fins malveillantes. Et qu'en est-il de la protection des données personnelles avec un navigateur web comme Google Chrome? Il existe plusieurs paramètres pour gérer la confidentialité et la sécurité des informations. Aujourd'hui, nous parlerons de deux éléments faciles à contrôler, la saisie automatique donc le fameux remplissage automatique et la gestion de l'historique et des informations de navigation. Savoir comment accéder à ces deux fonctionnalités et faire des ajustements rapides permet d'agir concrètement sur la gestion des données personnelles. Vous est-il déjà arrivé de voir des points noirs dans l'espace réservé à votre mot de passe lors d'une connexion à l'un de vos comptes en ligne? Si oui, c'est probablement parce que vous avez accepté la saisie automatique en cliquant sur le bouton Enregistrer lors d'une de vos connexions précédentes. La saisie automatique est aussi connue sous le nom de remplissage automatique. Google Chrome enregistre vos mots de passe, vos adresses et vos informations de paiement pour accélérer le remplissage des formulaires. Pour empêcher votre navigateur Web d'enregistrer cette information, vous pouvez refuser l'enregistrement. En cliquant sur le bouton Jamais lorsque la proposition de saisie automatique vous est faite. Vous pouvez également voir ou supprimer tous les mots de passe enregistrés par le navigateur en accédant à ces paramètres. Voici les étapes à suivre pour paramétrer cette fonctionnalité lorsque vous utilisez Google Chrome. Notez que le bouton de paramétrage est accessible en tout temps et il se situe dans la barre des tâches du navigateur. 1. Cliquez sur le bouton en haut à droite montrant trois points superposés. Lorsqu'on place la souris sur ce bouton sans cliquer dessus, l'information Personnalisée et contrôlée Google Chrome s'affiche sous le bouton. 2. Cliquez sur le bouton un onglet déroulant apparaît. Cliquez sur l'option Paramètres qui sera alors surlignée en gris. Notez que l'option Aide se trouve juste en dessous. En cliquant dessus, vous pouvez accéder à un centre d'aide qui propose de nombreuses réponses aux questions courantes des utilisateurs de Google Chrome. 3. Lorsqu'on clique sur l'option Paramètres, la page des paramètres Google Chrome s'affiche. La section permettant de gérer l'option de saisie automatique est accessible dans le menu vertical situé à gauche ainsi qu'au centre de la page. 4. Trois choix sont présents. L'internaute peut paramétrer l'enregistrement des mots de passe, des modes de paiement et des adresses. Il suffit de cliquer sur l'option souhaitée pour modifier leurs paramètres. En cliquant sur le choix mot de passe, une page s'affiche. Elle liste tous les mots de passe enregistrés ainsi que le nom des utilisateurs et sites web auxquels ils sont associés. L'utilisateur peut choisir de désactiver la saisie automatique et supprimer les mots de passe enregistrés. Notez que l'internaute devra alors saisir son mot de passe. À chaque fois qu'il souhaitera se connecter à l'un des sites Web pour lequel il a supprimé la saisie automatique. En cliquant sur le choix Mode de paiement, l'internaute accède à une page qui lui permet d'autoriser la saisie automatique et d'ajouter des mots de passe pour faciliter les futurs achats. En cliquant sur le choix Adresse et autres, les mêmes options de paramétrage s'affichent à l'écran. L'exploration de ces trois options permet à l'internaute d'améliorer la sécurité de ses informations personnelles. Pour renforcer cette action, il peut également supprimer l'historique et les témoins de navigation. L'historique de navigation est la liste des pages Web consultées. Elle s'enregistre automatiquement. Les navigateurs revendent des historiques à des sites car les informations qu'ils renferment en disent long sur les centres d'intérêt des internautes et leurs habitudes. Voilà pourquoi il est intéressant de penser à l'effacer régulièrement. Voici la marche à suivre pour supprimer l'historique et les autres informations de navigation. 1. Cliquez sur le bouton en haut à droite montrant trois points superposés. 2. Un onglet déroulant apparaît. Cliquez sur l'option Historique qui sera alors surlignée en gris et ouvrira un second onglet. Ce dernier présente les dernières recherches en ligne effectuées par l'internaute. 3. Cliquez sur le mot Historique présent dans ce second onglet. Une nouvelle page s'ouvre. Un menu avec les trois options est visible sur la gauche. Historique Chrome, onglet d'autres appareils, effacer les données de navigation. Au centre de la page, on voit les adresses des sites Web visités. Une case à cocher est visible devant chaque adresse. Il suffit alors de cocher la ligne correspondant à l'adresse supprimée pour effacer cette trace. Une information indiquant le nombre d'éléments sélectionnés pour la suppression s'affiche alors en haut de l'écran. Il existe également une option plus rapide pour supprimer toutes les informations de navigation en une seule fois. Il suffit de cliquer sur l'onglet ⁇ Effacer les données de navigation ⁇ présent dans le menu de la page présentant l'historique. Un clic sur cette option amène l'internaute vers la page des paramètres Google Chrome, utilisée pour gérer la saisie automatique. L'utilisateur peut alors cliquer sur l'option ⁇ Effacer les données de navigation ⁇ présentée au centre de la page. Plusieurs choix s'offrent alors à lui. ⁇ Effacer l'historique de navigation ⁇ Effacer les cookies ou témoins de navigation ⁇ Effacer les images ou fichiers en cache. Il peut également sélectionner une période précise et effacer uniquement les traces des 24 dernières heures. Il suffit de cliquer sur le bouton Effacer les données pour confirmer les préférences sélectionnées. À noter qu'il ne sera pas possible d'accéder de nouveau à ces informations une fois supprimées. Vous savez maintenant comment réduire la collecte de données et diminuer les risques de vol d'informations personnelles. En conclusion, pour protéger les données personnelles, il est important d'appliquer des précautions de base. Les précautions de base sont utiliser des mots de passe variés et sécuritaires, des antivirus, fermer les onglets et les fenêtres de, naviga de, de navigation, déconnecter les comptes en ligne et arrêter les appareils après l'utilisation. L'internaute peut également adopter un comportement proactif en restant alerte aux informations sur la sécurité en ligne et en visitant régulièrement des sites web comme le site du Centre canadien pour la cybersécurité. Il peut également vérifier et supprimer des données personnelles collectées à son sujet en explorant les paramètres de confidentialité et de sécurité des applications, logiciels, plateformes et sites web qu'il utilise. L'internaute peut aussi refuser qu'on collecte ses données et chercher des alternatives plus proches de ses valeurs. Enfin, pour protéger ses données personnelles lorsqu'il utilise un navigateur web, l'internaute peut paramétrer les réglages liés à la confidentialité et la sécurité disponibles dans tous les navigateurs. Utiliser un VPN, ou plutôt en français, un réseau privé virtuel. Le réseau privé virtuel va encrypter les informations de l'internaute sur le réseau Internet et permettre ainsi qu'il navigue de façon anonyme sur Internet. Supprimer la saisie automatique et effacer ses informations de navigation et déconnecter son compte Google après chaque utilisation de Google Chrome. Pour approfondir le sujet de la sécurité des données personnelles, nous vous invitons à explorer le site Web du Centre canadien pour la cybersécurité. L'atelier est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci. Bonne fin de journée.